secteur minier occupe une place importante au niveau du plan national de développement durable, raison pour laquelle l'Association burundaise des consommateurs Transparency International à Bukoti Ai Burundi, en collaboration avec Transparency International Kenya, a organisé ce samedi 23 octobre 2021 un atelier de sensibilisation à l'endroit des médias sur la transparence du secteur minier. D'après Pierre Ndouayo, président de la Bouco, l'atelier constitue un rendez-vous important d'échange avec les médias impliqués dans le domaine de l'économie et de la gouvernance, en vue de contribuer au plaidoyer pour améliorer le secteur minier au Burundi. Oui, les défis existent, que ce soit ici chez nous, que ce soit ailleurs, mais nous nous réjouissons quand même que c'est un secteur que le gouvernement a pris comme un secteur prioritaire. Et vous avez aussi constaté que depuis 2013, nous avons eu une législation qui régisse ce secteur, malgré peut-être certaines imperfections qu'il y a. Déjà, quand il y a la législation, ça montre la volonté politique. Et s'il y a des insuffisances, il y a lieu de les signaler. Et je vous dirais en passant, comme nous avons eu l'information, que le cadre légal est en train d'être révisé. Et nous pensons que d'ici peu, le secteur minier pourra occuper la place qui est la sienne, dans le plan dans l'économie du pays, comme c'est préconisé dans le plan national de développement. Malgré les défis, le Burundi a connu des avancées significatives, de l'obtention du certification des minerais pour les 3T, comme l'indique Sérémane Amissi, secrétaire permanent au ministère de l'Énergie et Mines. Le Burundi, en tant que membre de la CIRGL, vient d'obtenir la certification des minerais pour les 3T. Cela est une étape importante qui placera davantage au plan régional et international les minerais extraits sur le sol burundais pour cette catégorie. Et à partir de 2015, le Burundi a élaboré et a validé un document de priorisation des objectifs de développement durable, ODD, avec le plan national de développement 2018-2027, la dimension macroéconomique du développement du secteur minier est inscrite au premier plan avec des perspectives macroéconomiques de faire du secteur minier un moteur de croissance et de création d'emplois. Pour le consultant Boaz Nime, le gouvernement et la société civile devraient mettre les efforts ensemble pour que le Burundi puisse adhérer à l'ITIA. Mais aussi, il faut que la population sache l'impact du secteur minier au niveau du développement. Et nos attentes, c'est de continuer à suivre quand même l'adhésion à l'ITIA, mais aussi impliquer aussi le contrôle parlementaire au niveau de la mise en application des lois qu'on vote, notamment au niveau du code minier et de l'ensemble de ces textes d'application. Ça, il y a des attentes fortes au niveau de la population et nous pensons que nous devons mesurer à juste titre l'impact du secteur minier au niveau du développement. Et le secteur minier est placé au niveau des secteurs porteurs de croissance dans le plan national de développement. Et la contribution du secteur minier sera évaluée de par la capacité de ce secteur à renflouer d'abord, à améliorer la position de change du pays, améliorer la balance des paiements et stabiliser le système de change au niveau du pays et permettre maintenant au pays d'améliorer sa capacité de financer les importations. Signalons que le cadre légal qui régit ce secteur minier est en cours de révision.